Et signore, signoritas, signore. En tout cas, comment ça va tout le monde? On avait déjà pas mal de monde en salle d'attente. J'ai vu ça. Notre deuxième vidéo en direct. Ça va être super le fun. Merci d'être avec nous. Ici, il fait un temps splendide, il fait soleil. Veux-tu leur montrer, chérie? La neige commence à fondre tranquillement. Ouais. Pour tout le monde qui me demande si le potager est prêt, ben, il y a encore de la neige dans le potager. Oui, il y a encore de la neige dans le potager dans le fond là-bas. Comment ça va tout le monde? On garde le moral, même en confinement? Nous, ça va. Ça va, ça va. Ça fait quoi, 3 semaines là? On commence à se refaire une routine, mais on est quand même, on a de la broue dans le toupet. Pour les cousins, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais ça veut dire qu'on est comme... Mais on mange vraiment bien. Puis là, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait cuisiner aujourd'hui ensemble? Puis je ne sais pas pourquoi, je suis partie avec l'idée d'apéro. Là, je me disais, l'apéro, l'apéro. Bon, c'est sûr que pour les Québécois, à 11h le matin, c'est un peu tôt pour l'apéro, mais c'est... Quand vous allez en voyage, là, à la plage, on s'entend qu'à partir de 11h30, c'est correct de commander des cocktails, hein? Bon, fait qu'on va faire, on va s'imaginer qu'on est au Club Med en ce moment, en Espagne. Et à l'apéro, ben là, je me suis dit tapas. Et là, j'ai commencé à penser à des tapas que nous, on a beaucoup aimés. Puis, je vais vous raconter un peu, quand on était à Barcelone avec chérie, j'ai beaucoup lu avant d'y aller. C'était ma première fois à Barcelone. La seule fois avant qu'on était allé en Espagne, on était allé à Minorque. Parce que le papa de Lionel, qu'on appelle Pépé, bonjour Pépé, je ne sais pas si tu nous suis, ça m'étonnerait, il n'est pas du genre en direct. Mais toujours dit que Pépé a été élevé à Menorca, qui est Minorque, qui est l'île à côté de Majorque. Et donc Lionel allait là, ses grands-parents vivaient là-bas et y allait tous les étés. Donc, c'est grâce à Chérie, qui est née aussi à Barcelone, de parents français. Donc, j'ai déjà eu des commentaires de gens qui me disaient, « Mais voyons, là, Chérie, es-tu français, es-tu espagnol, es-tu québécois? » Ben, il est tout ça, hein? Avec une grand-mère allemande et un grand-père italien aussi. Alors, c'est pas compliqué, c'est l'Union européenne que j'ai pas mariée, en fait, mais presque. C'est comme si on était mariés. Alors, j'ai décidé... Quand on était à Barcelone, j'avais fait des recherches sur des blogs puis des sites, puis ils disaient que le tapas... Bonjour. Ah, il y en a plein, là. Il y en a trop qui parlent. Bonjour à Michel, bonjour à Julie, bonjour à Suzanne, bonjour à... Bonjour, bonjour, bonjour! Je suis super contente que vous soyez tous là. Je reconnais tout plein de noms. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous avoir dans la cuisine. Dites-nous qui est prêt à cuisiner aujourd'hui ou est-ce que vous êtes juste là pour boire un petit verre de vin puis me regarder cuisiner? Vous écrirez ça. Bonjour Michel, bonjour Nanou. Un sondage express. Là, il voit ça défiler, chérie, il est comme... Mais toujours est-il qu'il y a un blog que j'avais suivi quand on était à Barcelone et lui décrétait que tu mesurais la qualité d'un bar à table. Bonjour Yves, bonjour Tanguy, bonjour Snoop Doggy Dog, Jean-Claude, Cécile, Fatima, Tanguy... Équilibre, force, Cathy, bonjour à tout le monde. Donc, ce que je disais, c'est que ce blog-là disait qu'on mesure la qualité d'un bar à tapas par ses patatas bravas. Et ce qu'on a fait, parce qu'on est des professionnels, hein? À Barcelone, tous les soirs, on s'est tapé des bar à tapas et on a mangé des patatas bravas dans tous les bar à tapas. Et on est tombé un petit peu en amour avec le concept. Et je dois être honnête avec vous, bonjour, on les a essayés rapidement une fois depuis l'Espagne, mais on ne l'avait pas vraiment fait. Et quand j'ai eu l'idée de faire ça avec vous aujourd'hui, ben là, on a fait plein de tests cette semaine. Alors, tous les jours, c'était le festival à patates. Savez-vous qui était content? Oui, c'est Momo! Ah, Momo, qui est en train d'écouter un film, qui va venir écouter tantôt pour donner son opinion professionnelle en tant que docteur patate. Hein? Parce que Momo, les patates... Sans patates! Sans patates! Sans patates! Beaucoup de patates. Sans patates. Alors, la première étape, les copains, c'est... Moi, j'ai des patates jaunes. Le père de Lionel disait justement, il dit, oui, mais bon, il faut comprendre aussi qu'en Espagne, ils utilisent leurs propres pommes de terre, ce qui fait que les... On va utiliser nos patates, hein, parce qu'on n'a pas de patates de Barcelone. Mais toujours est-il que je vous recommande les pommes de terre que vous préférez pour faire des frites. Dans mon cas, c'est la patate jaune ou la pomme de terre jaune au Québec ou la russet que j'aime bien aussi. En France, je sais pas, je pense que c'est la binge. Est-ce que ça se peut?
Je me rappelle quand on a fait une recette en monnaie, j'avais demandé qu'est-ce que vous utilisez, puis là tout le monde répondait la binge. Mais il n'y a pas de binge au Québec. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Un jour peut-être. L'autre chose qu'on a capoté d'un bar à tapas, que j'avais Binge. Binge. B-I-N-C-H-E. Binge. Ou B-I-N-T-J-E. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi là-bas, mais qui est très difficile à trouver. Bonjour, Irine. Charline. C'est Julien. Je parle, là. Excuse-moi. Oh, il est délicieux, chérie bête. Les Padron Peppers. Les Padron. Comment on dit ça? Des poivrons. Pimiento Padron. Donc, les piments Padron. On en trouve au Québec maintenant parfois. Il appelle ça des chichitos. Mais encore, ils les vendent en sac et c'est super difficile à trouver. Mais savez-vous ce qu'on a fait? On est allé au marché, moi et chérie, dans un des marchés de Barcelone, pas la Boqueria, on a détesté. Il y avait trop de monde, tout le monde prenait des caméras. Une des raisons qu'on a choisi l'Espagne aussi aujourd'hui, c'est qu'on pense à tous les copains qui ont de la famille, qui ont un lien avec l'Espagne, parce que c'est pas facile là-bas non plus, en Europe en général, mais... On vous envoie des gros bisous. Surtout pas aller à la Boqueria en ce moment. C'est pas le temps. Mais bon, donc, on est allé au marché, on a demandé au maraîcher de nous donner comme 5 piments Padron. Puis là, il nous a regardé, puis moi, je suis pas bonne en espagnol, c'est chérie qui pourrait le dire. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ben, il a dit qu'il comprenait pas pourquoi qu'on voulait juste 5 piments. Non, je voulais que tu dises en espagnol. Piments. Ah, je me suis... On était là, cinco. Non, là, il dit comme mas, c'est pour manger comme ça. Là, je dis non, c'est pour ramener au Canada. Et là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'arrivé à la chambre, on a défait les petits padrons. Sans patate. Et on a sorti les semences que j'ai fait sécher durant notre séjour en vacances. Et en revenant, je les ai encore pour faire pousser cette année au potager. Donc là, la quantité de pommes de terre, je ne l'ai pas mis dans ma recette parce que ça dépend combien vous êtes et est-ce que c'est un gros repas de patates ou un petit repas de patates, un petit tapas ou pas. Nous, c'est au moins ça parce que Momo, lui, tout seul, il prend ça. Oui, 4 patates faciles parce qu'hier, j'ai fait à peu près 5 patates dans le change de côté. OK. J'ai fait à peu près 5 patates et en fait, c'était pas suffisant. Mais c'est pas grave, ça, c'est juste pour un apéro. Là, c'était vraiment pour goûter. Ouais, là, on va en faire un peu plus. Les pelures, surtout si vos patates sont bio. Savez-vous quoi? Vous mettez de l'huile d'olive dedans, vous les étendez sur une plaque et vous les faites au four et ça fait des chips. Qui est team petite patate croustillante? Oui, moi! Chez nous, moi, je capote là-dessus. Et chérie, Alizée n'aime pas trop, Momo pas pire. Fait qu'on est deux teams croustillantes et genre chips. Puis les deux autres aiment les grosses patates molles. Pour la cuisson des pommes de terre, bon là, il y a plusieurs façons de le faire. Là, je me suis dit, on est en live, je ne vais pas vous faire frire des pommes de terre pendant que vous m'écoutez. Il va y avoir des accidents. Mais si vous êtes équipé, vous avez une friteuse... Ben, tant mieux, vous pourriez le faire comme ça. Il y a aussi le fait que là, on est en quarantaine dans nos quatre murs. Alors, l'odeur de friture dans la maison, pff, moyen, mais là, il commence à faire beau, donc vous pourriez faire la friture dehors. Moi, j'ai testé deux façons. Celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va les faire griller au four. Là, j'entends les Belges qui sont comme « Ah non, c'est pas possible, elle va pas faire ça! » Oui, oui, c'est ça. Ça va être au four. C'était très bien, c'était bien réussi. L'autre technique... qui est assez populaire par les Espagnols, c'est de les blanchir entières. Blanchir jusqu'à temps qu'on puisse rentrer un cure-dent, mais pas trop cuit. Ensuite, on les coupe en sections et on les fait frire dans l'huile d'olive. Ouais. Ça prenait beaucoup d'huile d'olive. Ça, c'est beaucoup trop. Ouais, on est en quarantaine, là, on faut sauver ce qu'on a comme ingrédient. Le vendredi 13 mars, qui est la journée où la pandémie a été officiellement annoncée et la panique a pris au Québec, Bibi est allé acheter deux choses. Attention, dis-les pas, ils vont venir à la maison. La farine? D'accord. Pour vous. Hein? Parce qu'il faut faire du pain pour vous sur la petite bête, ça me prenait de la farine. Et un gros gallon, 3 litres d'huile d'olive. Puis je me trouvais bonne avec mon 3 litres d'huile d'olive, j'aurais dû en prendre deux. Parce que déjà, ça va super vite. Alors, huile d'olive, évidemment, espagnole, idéalement.
Bon, là, je vais arrêter de parler, sinon les patates sont jamais cuites. Non. Et là, je prends ma pomme de terre que je coupe en deux, ainsi. Comme ça. Et des patates bravas, il ne faut pas trop s'en faire, OK? Les morceaux sont inégaux. Allô, Martine, allô, Sou. Allô, Martine, allô, Sou. C'est gros un peu, ça. Tiens. On aurait pu les faire cuire. Michel nous souligne qu'on aurait pu les cuire dans un cookie neck. Ah ben oui, Michel, t'as raison, un cookie neck. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté le cookie neck de l'ami Michel Breton, dans lequel j'ai fait mon pain? Souvent, c'est une cocotte bretonne. En tout cas, il y a quelqu'un cette semaine qui m'a demandé tes coordonnées, Michel, pour en acheter un. Franck. Franck m'a demandé tes coordonnées. Franck est peut-être en ligne. Allô, Franck? Mais c'est vrai que j'aurais pu les faire cuire, le cookie neck. Mais non, là, mon idée, c'est de les faire au complet au four pendant qu'on fait le reste du processus, OK? Mais mon four à moi a un mode convection air fryer. Pour les Européens, ça veut dire friteuse à air. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, des air fryer. Oui, Philips les fait, je pense, en Europe. Il y en a... Regarde, ils doivent répondre, là. Avez-vous ça, des friteuses à air, des air fryer en Europe? Est-ce que c'est populaire? Bonjour Marie, bonjour Elisabeth, bonjour, je peux pas, Jivko? Ah, moi je vois les réponses. C'est du bain. Je vais partir le four maintenant. Ah oui? Oui, en fait, on peut le partir. Bonne idée. Yo! Alors, en mode air fry. Super. Allô Mimi! Allô Mimi! Bonjour super Jimmy. Super convection. Oui. Ouais, attends, je vais rapprocher. Super convection. Et c'est pas vrai que ça va prendre 34 minutes, faites-vous-en non, pas. Non, on ajuste. Moi, quand j'ai fait le test, ça a pris un 15-20 minutes, le temps de faire toutes les sauces et tout, c'était parfait. Bon, fait que là, les patates sont d'une grosseur... Ben, la grosseur de... Moi, j'ai une grande main, c'est dur pour moi, là, grande mais... Grande main, petite main. Mais, officiellement, c'est des grosseurs qui peuvent être inégales. Oui, puis en fait, il faut que ça fasse une bouchée, une belle bouchée avec un cure-dent, quoi. Le son est bon, hein, les copains? On vous a pas demandé? Oui, bien, je pense que oui. En fait, à voir les commentaires, ça a l'air d'être correct, là. OK. On a commandé un micro. En fait, on a commandé un adapteur de micro. Ouais, parce qu'on a des micros, mais avec les foutus iPhone à Apple, avec leur prise unique, Lightning, exclusive et impossible à coordonner à tous les équipements que tu as déjà à la maison. Je pouvais pas... Mais les gens disent que le son est bon. Oui, OK. Oui, 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 oui. Fait que ça, c'est bon. Le truc, c'est que là, vous allez entendre le four qui va faire ce bruit-là tout le long. Sylviane, oui, ça résonne un peu parce qu'on est dans un château ici. C'est énorme. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de murs autour de nous, donc le son rebondit un peu. Mais... On devrait avoir reçu notre micro. Ouais. Et là, ben, notre prise à micro. Donc, ça devrait être beaucoup mieux. En attendant, ben. C'est ça. Soyez patient. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Bon, fait que là, on a des patates. Est-ce qu'on met comme ça direct les patates ou on met de l'huile dessus? On met de l'huile d'olive. OK. Salut Benji. Salut Laurence. Rebonjour Sylviane. Bon, évidemment, il ne faut pas Yves, trop Denis. Remplir, là, à un moment donné, même si... Bonjour, Benji. C'est là que là, j'arrive au maximum que ma plaque peut prendre. Oui, parce que si on en met trop, ça ne va pas bien cuire. Il faut que j'arrête, hein, chérie, oui. Me dit. Oui, parce que sinon, l'air ne va pas circuler entre les... OK. Et là, huile d'olive. La quantité, là, je ne peux pas vous dire. OK, c'est comme ça que je fais ça, moi. Assez d'huile d'olive. OK? On met assez d'huile d'olive, un peu de sel. Pas trop parce qu'on va en mettre après surtout. Et là, loup, 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 on fait un massage de patate. On s'assure qu'elle ne se chevauche pas. Et comme je vous dis, chez vous, si vous êtes à l'induction, vous auriez le temps aussi de faire bouillir vos pommes de terre et les faire frire dans l'huile d'olive à la poêle. Ça prend à peu près le même temps. Si vous avez beaucoup d'huile d'olive, mais moi, je le garde pour les massages demain. Je vais me laver les mains.
Est-ce que j'ai besoin de donner un cours de lavage de mains? 20 secondes. On lave les mains. 20 secondes. En haut, en bas, jusqu'au poignet, les deux. Non, mais on n'en a pas fait les pouces. On n'en peut plus. Non, mais c'est pas grave. Oui, on commence à avoir les mains un peu effritées, là. Ben non, en fait, nous, ça va parce qu'on ne sort pas. Moi, pareil, parce que je suis un peu... Ouais. OK, cherche les patates. Bon, les patates, c'est fait. Les patates, c'est fait. Donc, deuxième étape, on fait maintenant la sauce. On fait la salsa brava. Sauce qui veut dire la sauce brava. Pourquoi? Ben, donc, il faut que ça soit un petit peu épicé. Là, ça ne va pas arracher les papilles de personne. On n'est pas du tout dans le même force d'épices que certaines cuisines mexicaines ou dans le sud des États-Unis. Mais idéalement, l'ingrédient clé de cette recette et qui donne une couleur rouge à la salsa brava, c'est le pimentón. Le pimentón qui est du paprika fumé espagnol. Il y a deux sortes de pimentón, le doux et le épicé. Si vous n'avez pas de pimentón, ben, un bon vieux paprika régulier ferait le boulot. Faudrait l'épicer ou le fumer, utiliser quelque chose de fumé. On peut mettre peut-être la poudre de cayenne. Ouais, avec le pimenton, parce que ça goûte. Ouais, mais avec ça. Mais ça reste l'ingrédient clé. Chose que nous, on a ramené de Barcelone que je capote dessus, là. C'est. Attendez, je vais vous montrer. T'es capable de l'ouvrir ou c'est Manon Proof? Non, ça va? C'est un moulin à pimenton en flocons. Regardez-moi ça, on va l'utiliser tantôt. J'entends des. Wouah! Wouah! En tout cas, j'avais jamais vu ça ici. C'est la même marque, mais il y a vraiment une odeur de fumée dans le pimentón qu'on ne retrouve pas dans le paprika hongrois. Donc ça, c'est l'ingrédient de base. Ensuite, oignon, ail. Cet oignon-là est beaucoup trop gros. Puis en ce moment, je t'arrête d'être à court d'oignons. J'attends une livraison d'épicerie aujourd'hui. Si vous entendez ding-dong, vous saurez qui livre. J'ai commandé des oignons. J'espère que je vais les recevoir. Mais pour l'oignon, je dirais... la grosseur d'un petit oignon, mais un oignon moyen. Quoi, un demi? Ouais, ben, un demi dans ce cas-ci, mais c'est un gros, ça. C'est un oignon quasiment espagnol, justement. Et ça va finir au robot, mais bon, on peut quand même le hacher plus finement. Et devinez où est-ce que ça va, les pleurs? Les loulous, qu'est-ce qu'il y a? Tu non, oui, Mimi, on a des très gros oignons ici. Tout est plus gros. Franchement... Arte grune noine. Il est où mon ziploc à bouillon? Hey, on va sortir ça après. Bon, focus maintenant, focus, oignon. Okay. On met ça. Alors, l'équivalent d'un petit oignon et une grosse gousse d'ail. Encore là, elle est énorme. Qu'est-ce que ça fait au congélateur? T'as fait quoi? T'as mis tes râpures d'oignons? Qu'est-ce que ça fait? Ouais, j'ai un sac au congélateur que je garde tout le temps là. Et tout ce qui est des râpures de tout légume qui est bon dans un bouillon, ça peut être des bases de céleri, ça peut être des épluchures de carottes, des herbes, les tiges des herbes. Je mets tout ça dans le sac au fur et à mesure et je fais des bouillons avec ça. La recette est déjà sur le blog. Ça s'appelle bouillon de scrap, bouillon d'épluchure, quelque chose du genre, ça fait un super bon bouillon. D'ailleurs, si vous aimez l'idée des tapas, moi je vous mettrai au défi dans les prochains 7 jours de faire un souper tapas avec votre famille ou votre amoureux ou la personne avec qui vous partagez votre maison. Si vous êtes tout seul, ben faites-vous un souper tapas pour un. Encore mieux, vous n'avez pas besoin de partager. Si vous n'avez pas les ingrédients, buvez du cava seulement ou du vin. Comme repas. On a plusieurs bonnes recettes espagnoles grâce à Pépé et à Lionel et ses goûts espagnols. On a la soupe froide ou tiède. Salut, Denis! Salmorejo, qui est une soupe un peu comme une gazpacho, mais avec de l'œuf, beaucoup d'huile d'olive, des tomates. On pourrait utiliser des tomates en boîte en ce période-ci. Il y a zéro souci. La tortilla de patatas. D'ailleurs, le papa de Lionel, son surnom gentil, c'est Pépé Tortilla. Parce que papy, à chaque fois qu'il vient ici, il amène sa tortilla de patatas.
Et c'est une super recette à faire quand on n'a pas beaucoup d'ingrédients. Ça coûte pas cher, des patates, des oignons, des œufs. C'est assez basique. Quelle autre bonne recette espagnole qu'on a chez nous? On a le dessert, là. Le gâteau au fromage basque. Oh! Ah ben ça, c'est pas vraiment la cuisine de quarantaine. Ça prend comme une livre de fromage à la crème, mais c'est vraiment bon. Ouais, le gâteau au fromage basque. Fait plaisir, Adé. Adé Louis. On n'a pas filmé encore la vidéo, hein? Le genre de paella avec des... Oui. Non? Oui, avec du crabe. On l'a filmé ou on l'a juste... Non, je me souviens plus. Ça aussi, c'est ben bon. Bonjour, Denis! Fait que là, donc t'as coupé cette demi... J'ai coupé l'oignon. Demi-oignon. En haché, là, grossièrement. Et je fais la même chose avec... Avec de l'ail. Avec de l'ail. OK. Bonjour, Angela. Je pleure. Attention aux doigts. Tout le monde dit attention aux doigts, maintenant. Ouais, ça fait mon genre. Live, ce serait beau. On va essayer de limiter les désastres aujourd'hui. Bon, OK. Alors, tout ça, c'est prêt. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va aller au poêlon. On regarde les patates en même temps. Ça sent bien aller. Et je vais mettre un fond de poêlon d'huile d'olive. Environ 30 millilitres. À l'œil, là. Ouais, 30 millilitres. Qu'on va faire chauffer. Et là, on va transférer. Non, pas encore les patates. Pas encore les patates, hein? Bonjour Pascal, bonjour Alexandra. C'est quoi ça? Ah, de la farine, OK. C'est de la farine. Bon, là, le drame, c'est que mon paprika épicé, regardez! Est-ce que vous voyez? On voit le fond. C'est pas le genre de truc que tu peux commander en ligne. Je pense pas. Ah, peut-être oui, mais à très grands frais. Ouais, c'est ça, ça va coûter cher. Non, c'est des pimentons. C'est pas des piments d'Espelette, c'est du, des pimentons. C'est du pimenton qui est de paprika espagnol. OK, là, ça chauffe. On fera pas comme le caramel. Pardon, oui. On va essayer de le chauffer un peu plus. Et là, je vais venir amener les oignons à mon ail. Elle arrive. Elle revient. Elle revient. OK. Bon. Tout va bien. Ça fait pas pshhh. C'est correct? Non, c'est pas grave. OK. Bonjour Bernard. Bonjour DL. Bonjour Céline. C'est pas assez chaud. Bonjour Guillaume. Bonjour Freddy. Est-il alive? Freddy, est-il alive? Je viens de comprendre. OK, excusez-moi. Est-il alive? Est-ce qu'on peut utiliser du curry rouge en pâte pour varier? Mimi pose la question. Il y a des Espagnols qui feraient... Ben, ça varierait, hein? Ça varierait beaucoup la recette parce qu'en fait, là, c'est vraiment... Les patatas bravas, c'est une recette de tapas espagnole et le curry n'est pas un ingrédient vraiment commun en Espagne. Ça serait sans doute super bon. Vous pourriez essayer. Là, ça fait pshhh. Ouais, là, ça fait pshhh. Il est 11h24, Cathy. En fait, voilà. En fait, il existe autant de recettes de patatas bravas qu'il y a de place à tapas. Là. C'est fou. Chaque endroit qu'on est allé, c'était tout différent. Il y en avait qui avaient de l'aioli, il y en avait qui n'en avaient pas. La sauce était plus épaisse, était plus liquide, était... Donc, tout le monde a sa recette. Ouais. Donc là, t'as amené du vinaigre, de xérès, plus de pimenton, de la farine. On laisse blondir les oignons un peu, on veut pas que ça grille. Donc, c'est simplement faire fondre. J'en ai peut-être mis un peu trop. Tu vois des oignons? Ouais. C'est ta minute d'humilité aujourd'hui? Ouais, ma minute d'humilité, c'est que j'ai mis trop d'oignons.
Alors, regardez, là, je suis comme... Mais au pire, allez, on a toujours besoin d'oignons comme ça, maintenant. Fait qu'au pire, allez, on en enlèvera avant de faire de mélange. On va mettre un petit peu de côté. Oui. OK. OK, OK. Oui, ça sent déjà bon. Effectivement, ça sent très bon. Ça sent super bon. Puis attendez, c'est pas fini, là. On enlève un peu d'oignons parce qu'il y en a trop. On juge qu'il y en a trop. Mais Mimi, elle dit pas trop parce que ça fond. Oui, c'est vrai. T'as raison, Mimi. Merci, Mimi. T'as raison. Il en restera... Après ça, il en restera plus. Venez voir les patates, venez voir. Les patates. Le cupon au téléphone, là. Non. Il n'y a jamais trop d'oignons. Stéphanie et Eric. Ouais, j'adore. Oh, Stéphanie et Eric, c'est ceux qu'on a rencontrés... À Lyon. À Lyon. Coucou, Stéphanie, Eric et les enfants, ça va bien? OK, là... Ça, c'est le paprika épicé. Je vais mettre une cuillerée à soupe ou au goût. OK? Et comme j'ai presque plus de pimenton régulier, je vais mettre du paprika hongrois, mais qui est très bon aussi. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, hein? Oui. Et là, un peu comme quand on fait des plats indiens, on va juste laisser... Oh, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous êtes ultra gourmand, en même temps que les oignons, je l'ai testé. Mais Chérie, qui est un puriste, n'était pas super d'accord, mais moi, j'ai adoré. Là. En même temps que les oignons et l'ail, j'ai mis du chorizo en petit dé. Non. Ah oui, dis non. Là. Parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il faut le passer au pied mélangeur. Ouais, c'est ça. Ensuite, et on aurait perdu le chorizo. Fait. Ouais, mais ça donnait un super bon goût et une super belle couleur. Donc là, c'est ça que ça fait en partant. Là, la farine. Ensuite, donc, la farine. Écoutez, ici, j'ai environ un quart de tasse de farine. Je pense que c'est un peu trop. On va y aller avec... Et c'est combien en grammes à peu près? En grammes, environ 30 grammes de farine qu'on va laisser juste absorber l'huile un peu et griller pour pas que ça goûte la farine crue. Donc, environ 30 secondes, 40 secondes. J'arrête de toucher. On dirait que ça manque d'huile. Allez, un petit coup. Voilà, un petit coup, c'est agréable. Pas trop, pas trop. Pendant ce temps-là, je vais brasser les patates. Et les patates! Hop, ça s'en vient. Bonjour, Alexandra. Fait que Mimi a commencé aussi à mesurer avec les tasses et les cuillerées. Salut Denis! Salut Denis! OK, et là, j'ajoute du bouillon. Une tasse de bouillon. Moi, là, c'est un bouillon de volaille bien ordinaire. Ça pourrait être un bouillon de bœuf. Si vous avez des sachets d'épices à paella, je vais vous montrer c'est quoi. Venez, je vais vous montrer mon bordel dans mon tiroir à épices, qui est encore aussi bordélique. Ça pourrait être bon. OK? Mais je me suis dit que c'est pas tout le monde qui en aurait, alors je suis allée vraiment avec un ingrédient accessible qui est un bouillon de poulet, et les majorités des recettes, c'est ce qu'ils utilisaient aussi. Et là... Ce que vous remarquez, vous voyez que c'est pas... Souvent, on voit les rouges ou oranges, hein? Ah, il manque la pâte de tomate, je trouve. Ah, il manque un ingrédient. Une chance, j'ai parlé. J'ai oublié la pâte de tomate. Donc, OK, concentré de tomate ou pâte de tomate, l'équivalent de... Oh mon Dieu! La pasta dentale! Allez, la pasta dentale! Oh. La lumière est épouvantable. Ben, j'essaie de sortir la pâte de tomate de là. OK. Laissez l'homme le faire. Ça boue, donc on va réduire le feu. Ah, un peu plus rouge, mais... Oui, mais c'est pas grave, il y a deux écoles de pensée. En fait, il y a à peu près 2000 écoles de pensée en France sur les patatas bravas. En Espagne, tu veux dire? En Espagne, oui. C'est quoi, je dis en France? Hein? Oui. En Espagne, il y a ceux qui mettent des tomates, il y a ceux qui ne mettent pas de tomates. Il y a aussi ceux qui mettent l'espèce de mayonnaise aioli et ceux qui n'en mettent pas. Nous, on est allé avec le type que nous, on a préféré à Barcelone, qui a les deux types de sauces, la bravas et celle à l'aioli. Donc là, on voit, elle est super épaisse, elle est parfaite. Je l'arrête.
Et la salsa brava est prête, mais là, nous reste à la passer au pied mélangeur. En fait, je vais utiliser ça. Je trouve que le soleil en a un peu. Ouais. OK. OK. Moi, j'avais tout nettoyé un pot prêt pour l'action. Moi, je pense à la vaisselle. C'est qui fait la vaisselle? Ben, c'est moi. C'est gentil. Exactement. De... Je pense à toi, mon amour. OK. Bon. La salsa brava. Et vous savez pourquoi ils appellent ça la salsa brava? Hein? Est-ce que tu l'as dit? Je l'ai dit. Ah, excusez-moi, j'écoutais pas. Elle m'a l'air un petit peu épaisse, mais chérie, il l'aime épaisse. Alors? Mais au pire, on peut mettre on peut mettre un peu d'eau si c'est trop épais. C'est ça. Si c'est trop épais, on peut mettre un peu d'eau. Donc là, avec un pied mélangeur... Bonjour, Ricky! Bénédicte! Ah, j'ai oublié le sel! Mais ça, c'est moindre détail. On peut aller chercher. Ouais. La vaisselle, j'en fais. Cathy, j'en fais tous les jours, du matin au soir. Fait que ça commence à être une habitude. OK. Tiens. Deuxième minute d'humilité, j'ai oublié de mettre du sel. Ben, ça dépend de votre bouillon. Goûtez-y avant. Moi, je sais que mon bouillon n'est pas très salé. Et donc, je le sale bien. Est-ce que c'est trop épais ou ça va? Un peu d'eau ou pas? Un peu d'eau, je pense. Oui. Petite affaire. Ben, il n'y a pas ça. Peut-être un petit coup d'eau, mais... Oui, elle a l'air pas pire. Elle est belle. Mais voyante, hein? Le vinaigre. Ah, mais ça aussi, ça s'ajoute aussi, à la fin. Ça se met maintenant, il n'y a pas de souci. Évidemment, idéalement, c'est pas parce qu'il était pas loin, il était juste là. Une cuillerée à thé. Les cousins, j'ai besoin d'une cuillère à café. En fait, à peine, là. Ça dépend des goûts. Moi, j'ai un petit goût vinaigré, j'aime ça avec les frites, alors j'en mets un autre. Mon Dieu, pas trop. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. J'ai les orteils vinaigrés. Tout va bien. OK. Goûtez-y. Mon conseil, ça serait d'y goûter avant d'ajouter du vinaigre. Oh, pardon, excuse-moi. Mon conseil, ce serait d'y goûter avant d'ajouter du vinaigre. Les orteils vont être vinaigrés, c'est sûr. Et en plus, non seulement il faut que je fasse la vaisselle, mais il va falloir que j'essuie le plancher, que je fasse les pieds nus en plus. Oh my God! OK, bon, ça sera pour tantôt. Oui, on fait ça tout à l'heure. Là, on va regarder les patates. Comment vont les patates? Ah, ça sent bien. Ouais? C'est sûr que c'est pas la même façon que... Salut, Dani! Mais c'est très bien, en fait. OK. Si on n'a pas de pimenton, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être dur de faire la recette. Paprika, à la limite, oui. Ça goûtera pas exactement à ça, mais ça va être le même principe. Bonjour, Karine. Ben, là, c'est peut-être encore plus difficile. Ouais, encore plus difficile. Du tabasco chipotle. Le chipotle, c'est un piment qui est fumé. En fait, c'est quoi? C'est un jalapeno piment qui est amené à maturité. Donc, au lieu d'être vert, il est rouge. Et ensuite, il le fume. Et avec ça, ils font les chipotle, c'est des piments secs. Allô, Alexis. C'est fumé. Donc, c'est ça. Je dirais paprika ou sinon, parfois, il y a des gens... Moi, j'ai souvent de... Le vinaigre, c'est du vinaigre de... Xérès. Vinaigre de Xérès. Ouais. Sinon, vinaigre de vin rouge. Comme je dis, c'est facultatif. Chérie, il était...
était... Ah non, moi, j'étais quasiment... Était limite, ouais. Que c'était nécessaire ou pas. Dans les recettes, on l'a testé sans et avec. Moi, étant un bec vinaigré salé, j'aime mieux avec le vinaigre. Je trouve que ça vient vraiment faire plus une sauce vinaigrette. Mes chéris, son côté puriste, c'était pas certain. Non, alors, non. Goûtez avant d'en ajouter, ça serait mon conseil, et c'est facultatif. Bon, on va mettre la sauce salsa brava de côté. En fait, ce qu'on va faire, bon, on va le transférer après. C'est moi qui vais le transférer. C'est toi? Ouais, OK. Fait que je vais tenir le téléphone. Là, je vais faire un genre d'aïoli. On a déjà fait, c'est Chérie d'ailleurs qui l'a fait sur la chaîne, le vrai aïoli, qui en fait n'a pas d'œuf. Hein? C'était ça, c'était juste du sel, de l'ail, de l'huile. Ben, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais sel, ail, huile. Non, c'est toi qui l'as fait sur la chaîne, l'aïoli. Oh, le vrai, mon Dieu, avec le mortier au pinon et mortier, là? Ouais. Oui, c'était juste de l'ail, huile d'olive et du sel. Bon, là, j'enlève le germe. On le mettra dans le bouillon, là, au cas où que, parce que c'est vraiment une sauce crue. Mais il est pas très gros. Oups. Voilà. Alors, première chose pour la aïoli. Un huevo. On dit-tu le H? Huevo, non. Huevo. 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 Si. On a des cours d'espagnol aujourd'hui avec Chérie en plus. Puis dos huevos. Sakina a dit qu'elle a fait ton pain. Il était magnifique. Ah! Ben, ça me fait bien plaisir, Sakina. OK, donc on casse un œuf. Ça va pas dans le bouillon à scrap. Le compost. Mais vous le cassez en morceaux, vous le mettez dans le potager. Et apparemment, ça empêche les limaces d'aller manger vos laitues. Les œufs? Oui, les œufs, tout. ça fait. Vous le cassez en morceaux, ça fait des petits côtés piquants, puis les limaces n'aiment pas ça, puis comme ça, ils ne mangent pas vos laitues. Mais moi, le potager, là, on n'est pas là. Non, on n'est pas là. On n'est vraiment pas là. OK, donc l'ail, haché, mais de toute façon, ça va passer au robot encore là. Ah, oh, les limaces se coupent. Oh non, là, je me sens mal. Moi, j'aime beaucoup les limaces. Oh. Ben. Ils se coupent sur les coquilles d'œufs. C'est ça, hein? Ouais. Je me disais qu'ils se blessaient peut-être un peu, puis là, ils reculent. Oui, pauvre petite limace. Ils se blessent pas beaucoup. Et le sel. Donc, ici, j'ai sel. Une pincée de sel. Ça ressemble drôlement à une recette de mayonnaise. Oui, avec le blanc et le jaune et tout ça. À la différence qu'il n'y a aucun vinaigre. Il n'y a pas de citron, il n'y a pas de moutarde, il n'y a pas de vinaigre. Et honnêtement, quand je l'ai testé, je trouve que justement, ça vient balancer merveilleusement la salsa brava, qui est très... Merci Vanessa, bienvenue à la chaîne. Bonjour Michel de la Suisse. Les patates commencent à... Ouais, les patates, faut pas les oublier. Sinon, ça sera plus des patates brava. Ça va être des patates cramées. Ouais, ça sent bien, là. OK, on va les brasser un peu, venez voir. Oups, je m'en viens. Mais honnêtement, à convection, ça n'a même pas besoin d'être trop... Le vinaigre de Xérès, Elisabeth. Est-ce que c'est vrai ce que vous dites pour les limaces et la bière, que si on met un petit peu de bière, ils vont se noyer dedans? Ou c'est une blague? C'est pour le jardinier, hein? Allez, dites la vérité. Ouais, c'est pour le jardinier. OK, huile d'olive. OK, 125 ml pour les Européens ou une demi-tasse pour les Canadiens. Premièrement, une huile neutre. Moi, j'ai de l'huile de pépins de raisin. Ça pourrait être de la canola, ça pourrait être du tournesol. Pourquoi? Parce que si on met que de l'huile d'olive, ça va être quand même un peu intense. Oh, bon. Voyons, toi. Bienvenue dans ma cuisine. C'est vrai que je suis maladroite.
C'est sûr qu'il n'y a pas un morceau qui me traîne dans le tout-plat. D'habitude, j'ai toujours quelque chose dans le visage. Oui, t'as, en fait, oui, tu as quelque chose. Oui, où? Ici, tu as un petit quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, là, mais c'est probablement de l'ail ou quelque chose. C'est l'histoire de ma vie. Il a la même quantité d'huile d'olive. Ça va me coûter cher d'huile, cette recette-là, je te dis. Fait que tu as une demi-tasse d'huile neutre, une demi-tasse d'huile d'olive et un œuf entier. Un œuf entier. Et une gousse d'ail. Une gousse d'ail et du sel. C'est une, tout. Une cuillerée à thé, c'est une cuillerée à café, c'est la même chose pour les Européens. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. Je ne comprends même pas tout ce principe de tasse, cuillerée à thé, cuillerée à café, soupe, table. Ça, c'est une cuillerée à café. Okay? Mais c'est bien c'est plus. C'est beaucoup plus gros que ma cuillerée à thé. Mettez-en pas trop. Comme ça qu'on va décrire. Mais si je prends ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus. Allez, on continue. Mon robot, faut que je me nettoie. Ah. Ce sera pas long. On va aller voir les patates. Oh, ça sent bien. Oui, on fait un genre de mayo à l'ail, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils mettent aussi par-dessus le... Quand ils font des patatas bravas, pas partout, mais ils mettent la sauce, ben, rouge, dans notre cas un peu brune, mais et aussi une mayonnaise. Et là, on fait les deux se marient très bien, en fait. Ouais, les deux, c'est... vous pourriez faire que la salsa brava, ça serait totalement accepté par vos amigos espagnols, mais avec la mayonnaise et la salsa brava, ouf. Puis là, je veux des suggestions en commentaire de quoi faire avec mon extra de mayonnaise à l'ail, aioli. Peut-être une soupe de poisson, mais j'ai pas tant de poisson quand je l'attends. Parce que là, on a fait hier et avant-hier, parce que là, je le fais avec vous, évidemment, mais j'en ai encore un pot, là, au frigidaire. Bon, allez! Donc, je pars dans le fond du plat, comme ma mayonnaise maison, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. OK, mais là, j'avais déjà commencé avant. Et là, je remonte tranquillement. Et voilà. Elle est... Voilà. Parfaite. Fait que... Ah, les sandwichs avec le reste de mayonnaise. Les artichauts pour le reste de mayo aussi. Mais c'est juste tout trouver ça, par exemple. Puis on y goûte, évidemment. Merci, Bénédicte, oui. Donc, c'est vrai, le truc des limaces et la bière. Il manque un peu de sel, je crois, mais sinon, elle est parfaite. OK. Ben c'est correct qu'elle manque de sel. Oui, parce que ça va balancer. Parce que la sauce, avec... celle-là, elle est plus salée. Avec des frites, ah oui, de la mayonnaise avec des frites, yes sir. C'est Docteur Patate qui va être content. Un moment. Fait que... OK, attends, on va le mélanger. C'est normal que ça fasse une croûte, on fait juste le réintégrer. Ah, mayonnaise avec de la macédoine de légumes aussi. Oh mon Dieu, OK, bon, regardez ça ici. Oh, ah non, pas trop proche, plus haut. Voilà. Œuf dur à la mayonnaise. Là, vous n'êtes pas obligé de faire ça, là. C'est simplement point de vue de présentation, mais avec les morceaux, j'ai même peur que ça passe pas au travers du goulot. Moi, j'ai l'impression que ça passera pas. J'ai l'impression que ça passera pas, mais on peut essayer. Très bonne, en tout cas. OK. On se garde ça de côté. Des crevettes piquantes, c'est... Oui, toutes les saucisses avec la mayonnaise. En fait, la mayonnaise, on peut en mettre partout. 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 Tu me demandais ce que c'est ça là, c'est un truc antidérapant pour mettre en dessous de la planche parce qu'il n'y a rien de plus dangereux pour se couper que d'avoir une planche qui se promène sur son comptoir. J'ai des trucs comme ça que ma maman m'a amené, puis j'en avais acheté aussi pour les. Ben ça marche très bien aussi sur les tableaux de bord, dans les véhicules. Tu mets ça et tu peux déposer ton téléphone, ça bouge pas. Sans le regarder, évidemment, le téléphone à l'envers. Ma recette.
Ouais, la recette qui n'est pas tachée, c'est une recette qui a pas été utilisée. Ah oui, elle est tachée. Elle est tachée, c'est parfait. Tout va bien. OK, patate. Oh, maillot avec des beignets de crevettes. Beignets de crevettes, là. Vous avez piqué ma curiosité avec les beignets de crevettes. Ouais, moi aussi, là. Écoute, je pense que c'est vraiment le dernier bout. On est correct. Fait qu'il va vraiment falloir qu'on essaye la bière avec les limaces parce que c'est réellement vrai. Excusez-moi, je reviens souvent là-dessus, mais... On a un verre de bière Ben, en fait, on boit 3 verres de bière, on s'installe dans le jardin, puis on regarde les limaces. C'est ça, j'ai bien compris, hein? Bon plan. Ce que j'ai bien compris, c'est on boit de la bière et on regarde les limaces. Ou on boit avec eux. Pendant qu'ils sont en train de se blesser sur nos œufs. C'est épouvantable. OK, là, moi, j'ai fait... Pour contredire chérie, qui est puriste, j'ai fait frire des petites rondelles de chorizo avant, en chips. C'est facultatif, mais totalement délicieux. Ça donne un petit croquant à l'opération. OK. On dirait du chocolat, en fait. On dirait des pastilles de chocolat. Non, bon. Je vous jure, ça ne goûte pas le chocolat. Non, c'est vraiment ça. Bon, fait que là, on a la mayonnaise. Ouais. On a la sauce brava. La salsa brava. Ça, c'est pour Manon, parce que moi, je suis pas tellement... Bon, elles sont cuites. OK. On arrête le bruit de... Oui, on arrête le bruit du petit four. Oh. Parce que là, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Ouais, là, je prépare tout. Alors, on a des petites olives farcies aux anchois. J'ai des conservas espagnoles. Ah oui. On a le jamon qu'on a un peu trop mangé. Ouais, le jamon commence à être usé un peu, là. Oh non, il est trop bon. Qui fait un morceau de jamon. Les grands, ils coupent de l'autre sens, là, mais... Ouais. Serrano. Il est très bon. Regarde, là, il glisse. Mmh. On pourrait mettre dessus des patatas bravas aussi, hein? Non. Allez, on monte tout ça. Moi, j'ai faim. Oh, tu es patiente. OK. Alors, patate. Qui dit patatas? Qui dit patatas? Ça prend des patates. Là, pour vous voir, juste pendant que je... Ça, c'est notre chien. Au Québec, on dit le chien, il est mort. Mais ça, c'est notre chien. Qui est toujours dans les jambes. Ouais, c'est le jambon de confinement, exactement. Malheureusement, il ne durera pas la durée du confinement. Il est effectivement très bon, Dani. En fait, c'est surprenant. C'est pas la meilleure chose qu'on a mangée dans notre vie de jambon espagnol, mais... C'est pas le pata negra qui coûte une hypothèque. Excusez-moi. Mais... Ah, oh, j'ai oublié de saler les patates. Un petit coup quand même. OK. Bon, puis là, c'est là qu'on va tester si mon système a... Bon, moi, je me recule. Parce que là, elle va essayer... Là, ma mère, elle doit être là. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Allô, maman, je sais que t'es là, je t'ai vue. Je sais pas si elle est encore là. On va nous répondre. OK. Tout le monde est prêt? Moi, je suis sûr que ça ne sortirait pas. Oh, ça s'est bouché, hein? Oui. Déjà. Oh, merde. Je savais. Ça semblait un si bon plan. Pour les coupes, ouais, c'est ça. Non, ça marchera pas, hein. Oh, ça marchera pas. C'était une si bonne idée. Nous, on est The Cooking Show. That does everything wrong. Mais non, mais là, on peut mettre ça comme ça. Mais ça change rien. Ah, ils sont mal, hein? Ben oui, mais regarde. Attends, je le ferai pas parce que je vais me faire... Ah, comme ça, OK. Donc, les patates braves avec la sauce. On y va généreusement. Elle est peut-être un peu épaisse, mais savez-vous quoi? C'est parfait parce que ça va tenir... Oh, tu dégoulines partout. Je sais. C'est terrible! Terrible! Est-ce qu'il y en a que leurs patates sont prêtes en même temps que moi? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Ah non, c'est saliver, c'est vraiment ça. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Swan.
Ça sent tellement bon, là. OK. Bon. La mayonnaise, je pourrais la mettre dans la bouteille. On n'ira pas là non plus, hein? Ah, ce serait tellement plus beau, mais... Ouais. C'est vraiment épaisse. Regardez-moi ça, la mayonnaise. C'est fou, là. Ouais, plus épaisse que l'autre, hein? Ouais. On avait fait, mais c'est pas grave. On met ça, go. Mayonnaise. Mayonnaise. Je vais la mettre dans la bouteille. Est-ce qu'on essaye? OK, on essaye. Bon. Ça va juste faire plus de vaisselle. Oh. C'est épouvantable, man. Au moins, tu le fais pas si mal. OK, ça devrait être correct, ça. OK. Test numéro 2. J'ai testé la recette de tous les côtés. J'ai pas testé les bouteilles. Hein? OK. On descend ça. Attends. Bon, on y va. C'est... Oui, effectivement, c'est presque une poutine. Oui! Ça pourrait... Je dirais pas c'est la poutine espagnole parce que c'est pas le cas, mais... Bon, ça bouche aussi. Là, c'est pas bon signe quand une mayonnaise bouche le trou. Ça bouche pas, c'est juste qu'elle est pas tout au fond. Oh! Oh my God! OK, on l'a, on l'a, on l'a. On l'a? Non, on l'a pas. C'est épouvantable. Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, là. Faut que je m'en mêle, là. C'était si beau. Rio, je lui marche dessus, puis elle dit absolument rien. On y va généreusement avec des petits schmutz ici et là. Puis là, chacun peut choisir s'ils veulent la sauce blanche ou pas. Mais là, j'en ai mis assez. Ah, ici. Ouais. Non, il y a clairement quelque chose qui bouche. Bon. Et la chérie non plus n'a pas été capable. Qui attendait. Oui, effectivement, on aurait pu couper l'embout. Plus. Ah, oui, là, ouais. Je l'ai coupé hier, mais clairement, parce que si on le coupe trop, on ne peut plus fermer le petit capuchon. Bon, c'est bon? C'est un truc de magasin 1$. Hein? Est-ce qu'on fait une version sans sauce blanche puis une version avec sauce ou non? Les deux pareils? Mais il n'y a pas assez de sauce blanche, là. Ben, attends, il y a un gros schmutz, là. Ah, OK. Bon. OK. Est-ce que je rajoute la sauce blanche ici aussi? Ouais. C'est si bon, là. Ouais, c'est bon avec la sauce blanche. OK. Elle est très, très épaisse. Mais là, de côté, ben, c'est ça. Des petits... Comme ça, on peut faire trempette avant de manger. Mm. Et est-ce que tu vas mettre tes petits... Est-ce que tu vas aller chercher Momo pendant que je finis la décoration? Ben tiens, tu peux le tenir. OK. Ouais. Je vais le virer de côté comme ça. Ah non, c'est non. Là. Non, je peux... là, ben ouais, mais je peux faire ça comme ça. Ah, voilà. Coucou! Enfin, c'est moi qui ai le contrôle. OK, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il me reste à mettre mes petits chips... sur le plat, comme ça. Je pense que c'est ça, c'est bon. Gros schmutz, traduisez ça pour le fun. Une grosse schmutz, c'est... je sais pas comment traduire ça. Une grosse cuillerée non professionnelle. Ah, regardez qui est là! C'est Docteur Patate! Bonjour! Et jumelle moins patate. C'est moins elle hein, qui m'a l'air de... OK, fait que là, je vais virer le téléphone de bord. Voilà. OK. Momo, on veut ton opinion professionnelle. C'est la même chose, les deux. Oui, les deux, c'est la même chose, je pense, parce que là, il faut que je trouve un... Je lève les temps. Toute l'assiette? Mais non. Oui. OK, attends. Tiens. Moi aussi, je goûte. Alors, Momo, on veut un verdict. Mieux qu'hier. Oh! Ça, c'est bon, ça. Ah, c'est vrai que c'est bon. Oh, il dit en Alsace, un schmitt, c'est un bisou. Ah, ben, c'est plus mignon que nous autres. Oh, un schmutz. Oh, c'est une grosse bouchée, ça. Les toothpicks sont ici. OK, je vais aller goûter. Je vais servir le vin. Est-ce qu'il est midi, là? Il est 11h57 au plus. OK, ben, il est midi.
Mais c'est pas grave, on peut manger, on peut boire. En confinement, on peut manger et boire quand on veut. Bon, on n'avait plus de Rioja. Avec les limaces, en plus, on a le droit. On attend toujours notre livraison de la SAQ. Sur Paris, un schmitt, c'est un policier. Ça, j'aime bien. Mais c'est pas un schmitt, j'ai dit. Un schmitt. Alors, tu peux dire tu peux dire que j'ai bu une binouze au schmitt? Bon, mais moi, j'ai bu une claque au schmitt. Ah non, faut jamais donner de claque au schmitt. C'est une très mauvaise idée. En allemand, ça veut dire pas propre, schmitt. Oh, oh. Voyons. Fait que le schmitt est schmitt en buvant c'est sa binouze. Tu veux utiliser quand tu te balades en Europe, en fait. C'est ouais, c'est ça. Tu débarquer sur la claque. Bon, les cocos, c'est bon? C'est bon. Est-ce que t'as goûté, toi, chérie? Mmh. Ouais, il y a goûté. Mmh. Est-ce qu'il y a peut goûter? Mmh. Non. Non. T'es en train qu'une petite santé. Ouais, j'arrive. Je veux manger. On vous aime. On vous aime. Gardez le moral en confinement. Continuons à cuisiner. Et on vous revient si on fait un autre live la semaine prochaine. On aime ça. J'espère que vous aimez ça. Dites-nous en commentaire si vous aimez ça. Et la vidéo va être disponible en rediffusion pour les copains qui l'ont manqué. Et pour la recette des patatas bravas, je l'écris là en dessous dans le champ de description. C'est épicé? Ciao, ciao! Bisous, on vous aime! On vous aime! Bye! Ah, tu bois? OK. Bois, ma grande, bois. Impoli de faire un toast puis de ne pas boire à la santé des amis. Bon, allez! Ciao tout le monde, on vous aime!